Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Nous vivons dans un thème dangereux. Ah, c'est moche au niveau les de l'écran. Les dieux qui l'ont bâti ont disparu, laissant leurs instruments qui jonchent notre univers sans but. Rappelez, un instant. Ces reliques exploitent une force incroyable que nous appelons l'hymne de la création. C'est momentané, c'est parce que je peux pas mettre le jeu en plein écran pour l'instant. Refuse de se laisser contrôler. Oh. Pour survivre, nos ancêtres ont créé les javelins et érigé des cités entourées de grands murs. Shingeki no Kyojin ? Aujourd'hui, c'est un groupe de héros dévoués qui doit faire face au chaos, protéger nos foyers et se battre pour notre survie. Arthas, qu'est-ce que tu fais là ? Nous sommes les freelancers. Ah, d'accord. Nous allons devant du danger. Secourons les égarés. Éloignons les monstres. Et neutralisons les terribles cataclysmes de l'hymne. Mais tous les cataclysmes ne se ressemblent pas. Oui, moi quand je pète, c'est un sacré cataclysme. Les freelancers doivent se méfier du pouvoir indompté de l'hymne. Alors, hymne, c'est anthème, hein. Je précise. Pour ceux qui savent pas, hymne égale anthème en anglais. On y est, pas moyen d'aller plus près en arpenteur. D'accord, il va falloir voler à partir d'ici. Alouk, entends ça. Alors, j'ai un doute, on est dans le moteur graphique du jeu ou... C'est une cinématique. Avira, casse-toi. On est toujours en cinématique, j'ai l'impression. Ouais, quoique... On est encore très loin, tu sais, le taf. Et la tempête est plus violente qu'on ne le pensait. Ok, on ne pourra pas s'approcher plus du centre sans mettre en pièce notre arpenteur. Allons-y, freelancer, équipez-vous. Ça va aller jusqu'où ? Aucune idée. J'ai jamais vu un cataclysme de cette taille. Oh. Doucement, Faye. Personne sortira d'ici vivant sans notre... Sûr qu'on peut remplacer cataclysme par pénis ? N'oublie pas, on est une équipe. Je serai avec vous. What the... Ok, freelancer. T'as beau être novice, tu serais pas là si t'avais pas de potentiel. Merci. Qu'est-ce qu'on attend ? Il est gentil. Il dit que je suis bon. Je pensais que t'avais besoin d'un peu d'avance. On se retrouve au Cénotaphe. Nous, on y va. Ok, tout le monde. Allons empêcher ce cataclysme de grandir et de tout détruire. Je sais pas, Alouk. Écoute, j'avais rien vu de pareil. Je serais pas là si j'avais peur d'y passer. Ok ? Maelstrom n'est pas si différent des centaines d'autres ruines des démiurges qu'on a pu gérer. Il est simplement plus grand. C'est ça, notre boulot. Alors on va y aller, et on va s'occuper de toutes les saloperies qu'il nous enverra. Et on va dompter cette chose. Ensemble ! Allons-y ! C'est parti ! Ouais ! Attends, même handicapé, il peut contrôler son javelin sans problème ? Vous seriez seul ? Invincible ensemble. Ouais. Oh, nice. Et voici le mien, le tout petit Rikiki qui était juste à gauche. Très bien. Sympa. Alors, il y a beaucoup de haine autour du jeu. Si vous avez des avis, des critiques à faire, critiquez dans les commentaires de manière intelligente, avec des raisons, des arguments. Sinon, ce sera automatiquement supprimé. Que ce soit bien clair. Moi, je vais essayer de kiffer le jeu, de montrer que c'est possible. C'est mon but dans la vie, hein. Déjà, en termes d'animation, c'est classe. Je te reçois, 5 sur 5. Ouais, jusqu'ici, la liaison au portail est stable. La tempête... C'est pas moi qui contrôle, hein. Je sais que tu trouves un point tranquille. Du calme, Miller. Ton rythme cardiaque est troublé. Oh. Alouk, réponse, s'il te plaît. Aïe. C'est pas pour moi. Aïe. Aïe. Ah, c'est chaud. En fait, avec 3 ou 4 Wyvern. Ok, là on est dans le game. Et là ça claque les yeux. Ah, j'ai déjà éclaté la face de mon... T'as survécu, quel soulagement. Ton javelin doit redémarrer maintenant. Ah bon. J'ai relancé les systèmes. Il est verrouillé, c'est ça ? Début de la reconnaissance vocale. Bonjour, je suis une voix masculine. Je suis un homme. Mais parce qu'il n'y a pas de souris. Faye, tu m'entends ? 5 sur 5. T'as fait une sale chute. Ça va la tête ? Tu te rappelles la mission ? Je crois, ouais. Ouais, ça va. C'est dans un cataclysme, une terrible tempête qu'on appelle le Maelstrom. D'accord. Tu dois te rendre
au centre et neutraliser le cénotaphe. Ok. Compte sur moi. Ok, pour l'instant je suis bon, faudra que je redémarre une fois que j'aurai fini ce premier épisode. Kit de réparation, compte sur moi madame. Alors juste... Il se dirige vers toi. Comment ça se passe? T'arrives dans combien de temps? Aucune idée. Faye? T'es pas loin. Mais... Oh non. Désolé, je vous reprends plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Ok, cette fois-ci on est bon, chers amis, j'ai dû m'occuper de chacune de nos touches. On est bon, on est parti, ça progresse, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, un instant, block. Il est sérieusement en train de me dire que là il est repassé en mode... Ah non, c'est bon, d'accord, oui, il y avait un truc chelou au niveau du jeu, mais c'est bon, ok, très bien. On est bon, prenez un kit de réparation. Ah, genre une perceuse, tout ça, et... Ok, c'est bon. J'ai trouvé ma perceuse. Oups. Voilà. D'accord. C'est con. Ah, je peux sprinter. Non. Ils avaient mis un trou. Eh ben excuse-moi, je sprint et ils mettent un trou, hein, c'est des enfoirés. J'ai remarqué, merci. D'accord, mon esquive fonctionne par contre. Grenade. Merci. Pas de sushi, c'est bon. Quand quelque chose me bloque, je le fais péter. Ok. Dans le coma. Carrément. Attends, c'est un... Attends. Ah, c'est un explosif. D'accord. Ils sont où les copains? Là-bas. Soirée dans Zelda? Bah oui, mais c'est normal, j'ai une armure en acier, c'est normal que ça me pète à la gueule. Ok. Oh! T'es gros! Oh. Ah, c'est con quand ça arrive ça! Ah, pardon. Voilà, alors. Hey, comment ça va? Alors, je peux pas mettre pause en jeu, c'est logique. Falloir que je gère le son, baisser un petit peu le son des musiques et augmenter un petit peu le son du jeu. Alors, voyons voir. D'accord, très bien. Ok, donc normalement, ça veut dire que si je fais. Ah ah. Ok, non, je peux pas vraiment déclencher de combo avec ça. Ok. Touché. Merci pour les munitions. Il était mort, c'est dommage. Faut que j'aille chercher nos copains peut-être. Ouais, d'accord. Je suis en train de tuer des choses, je m'amuse. Hein. Ok, très bien. Salut. Benkana. Ok. Parfait. On va se mettre en face de lui. Hop. Et... Ah, j'ai oublié de le regarder, d'accord. Oui, comme dans la démo en fait, je crois que c'était un bug, mais non. Je suis là, freelancer. Très bien. Aïe. Qu'est-ce qui... J'entendais un truc qui marchait, mais... Tiens, il y en a un devant nous, regardez. Ouf. Bon, bah lui, on le retrouvera pas.
Très bien. Il vient de créer une porte. On a un titan menuisier. Hop là. Le titan menuisier. Ah, HS genre hors service, genre mort. L'équipage de la... J'entends l'hymne de la création. Autrement dit, elle sent les mecs qui arrivent en fait. Ah ah. Et c'est pété visuellement. Pourquoi j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles quand tu lui tires dessus? Oh ouais, c'est ça. Bon bah elle, à mon avis, elle a été rectifiée. Ah, il. Non, il faut qu'on détruise ça. On continue. Ah, bah elle aussi. Ah, je croyais qu'il avait dit Ader parce qu'il allait les frapper, mais en fait non. C'était Ader qu'elle s'appelait. Je peux le faire. Regarde ça, fait. Oui, t'es un titan, tu peux tout faire. Enfin, t'es un colosse, tu peux tout faire. Je suis à deux doigts de m'écrouler. La fuite n'est pas une option. Ah, c'est beau. C'est beau ce qu'il vient de faire. Hein. On a eu cette saleté. Il faut qu'on sorte de là. Non. On continue. Mais il reste plus que nous. Pense à Miller, à Ader, à tous les autres. Joue pas les lâches. Oh, calme-toi. Non. Tu veux qu'on avance et qu'on se fasse tuer tous les deux, c'est ça? Bam. Respire péniblement. Bah tu vois pas les trois deux gros trucs qu'il y a derrière nous? Ils sont mal texturés en plus. Pour une raison que j'ignore. C'est très très mal texturé. Bon on va pas s'attarder sur les bugs hein, ça se corrige un bug. Ça les gens ils ont oublié que ça se corrigeait un bug mais tous les bugs du jeu seront à un moment ou à un autre corrigés. On n'est pas chez Bugtesda. Lorsque nous avons échoué à neutraliser le Maelstrom, nous n'avons pas seulement perdu des freelancers, des amis, des camarades. Nous avons perdu la confiance du peuple. Les freelancers se sont dispersés. Vous avez aussi le Shattering, on est d'accord. Hein. Mais je crois que je l'avais vu aussi chez Benzaï, donc il est inhérent à la vidéo. Se sont trouvés des alliés là où ils le pouvaient. Ils ont fait de leur mieux pour aider un peuple pour qui les freelancers n'étaient plus des héros. Très bien. Et non, c'est une première mission qui claque quand même. Mais limite là, si je... Ah ouais, carrément, 2 ans après. Si je suis renvoyé à la ville, peut-être avoir le temps de faire un petit redémarrage rapide. Ah non, je suis pas renvoyé à la ville, clairement. C'est rigolo, ils ont des lumières derrière leurs yeux. C'est mignon, ça dit. Ah. Arrivée spectaculaire comme d'hab. C'est rare qu'on me fasse des compliments. Oh, tu sous-estimes pas. En tant que crypteur, j'aurais pas pu trouver mieux. Tu pourrais chercher, mais on est. Oh, c'est bio. Le premier relais est pas loin. Pour l'instant, c'est un contrat facile. Au moins, tu t'en sortiras vivant. Inspecter des capteurs tous les mois. Tu parles d'une vie. Ça paye les factures. Wouhou, ça y est, c'est libre. Eh ben, on a libéré, délivré. Toujours profiter des magnifiques paysages de Bastion. Et c'est encore mieux. Les étoiles me tendent les bras. Ah, pardon, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais voir si c'était des compos. Ça, c'est des compos, c'est sûr. Merci. La jungle est remplie de trucs utiles. Pense que eux, c'est pas utilisé, Marcus. Oh, très bien. Ça marche aussi comme ça, c'est pour ça. Voilà le relais, il suffit de redémarrer. Ah ah. Ces Koroks sont leur en forme. Bon, alors, faut savoir que je vais faire le mode histoire avec vous, bien sûr. Hein. Mais il y aura une petite différence, c'est qu'entre temps je jouerai au jeu pour essayer de stuffer, hein, que ce soit vraiment le plus efficace possible en termes du let's play histoire et qu'on puisse ensuite atteindre le endgame assez rapidement. Les réserves de ravitaillement sont intactes, ça pourrait nous servir. Voilà, 3 éléments. Hop là. Et donc c'est ça qu'il faut que je redémarre.
Ça devrait remettre le réseau d'alerte rapide en marche. Ouh, parfait, ça, ça a marché. Maintenant, tu vas devoir vérifier manuellement les capteurs. C'est chelou, ça. Les capteurs, très bien. Réseau d'alerte rapide, d'accord. La première ligne de défense pour détecter tout niveau dangereux d'énergie des démiurges en augmentant dans la augmentation dans la région. Ils sont souvent le prélude d'un cataclysme, d'accord. Alors le cataclysme, c'est le nom de l'event qui arrivera au mois de mars. Le premier event du jeu. Entre guillemets, le premier event massif du jeu. Enfin, non, c'est pas le nom de l'event, ce sera le nom de la finalité de l'event. En soi. C'est la chaîne, vous savez. Ce sera trois gros events, ça se terminera par un cataclysme. Très bien. Ah, voilà le premier capteur. Il va falloir que tu y accèdes. Oh, pardon. J'ai marché sur ta tombe, littéralement. Ok. Très bien. Alors, si je... Voilà. Refroidissement. Très bien. Salut. Approche-toi, que je capte les signaux des murs. Attends. J'ai qu'une arme. Ah, il me tire de là. Il me bave dessus. Les scorpions sont vraiment agressifs. C'est pas étonnant. Ça doit faire un moment qu'ils ont pas goûté à la chair fraîche d'un freelancer. C'est pas au menu aujourd'hui. Va falloir leur expliquer. Mickey. J'attends encore les données. Bon. Jusque là, c'est rigolo. Je vibre. C'est bon? Ok, cool. Les effets arrivent. Quoi? Tout est normal, dans l'ensemble. Dans l'ensemble. On parle du système d'alerte rapide là. S'il détecte quelque chose. C'est bon, aucun signe d'énergie des démiurges. Rejoins le capteur suivant. Il y a une cascade devant. Wouhou. Tu veux refroidir ton exo? Ah, je suis en refroidissement constant, ça doit être par rapport à l'histoire, j'imagine. T'approches du capteur suivant. Galapin. Ah ! Salut les mecs ! T'es adorable ? Bon, excuse-moi, hein. Attends que j'obtienne les données. Aucun signe de scorpion, c'est déjà ça. Ils sont agressifs aujourd'hui. Ouais, ils ont pas mangé depuis 3 jours, écoute, hein. Hein, les gars ? Ça vient de vibrer. Ah. Waouh. Pourquoi tous les oiseaux des camps? Attends, je regarde ça. J'ai un relevé, ça va pas te plaire. Potentiel bon. Énergie des démiurges. Ah. Rejoins le prochain capteur quand on affine ça. Il devrait peut-être faire comme les oiseaux. Ouais. Ah, attendez, il y a de l'eau. Wouhou. Où est-ce que tu vas? Le javelin est étanche, je me suis dit autant aller voir. Même l'eau est bizarre, la température a arrêté de changer. Faut mieux pas rester là. Du gros poisson, dis donc. Pas de quoi pêcher, hein. Okay. Très bien. En progression. Je risque quoi, là? Vérité dans le Maelstrom, pas vrai? M'en parle pas. Tu vois ces ruines? Il y a une théorie selon laquelle une relique a inversé la gravité pendant un jour. Mais viens avec moi, ça se passera pas comme ça. Je vais te l'inverser ta gravité, moi, tu vas voir. Le dernier capteur est proche. Et les Wyvern aussi. Je les vois, ces cracheuses de feu. On doit toujours faire un scan. Oh, c'est pas un problème, hein. Je veux dire, c'est que des gros oiseaux, quoi. C'est fini? Très bien. Laisse-moi une seconde que je récupère les données. Ah ouais, c'est pas fini. T'as d'autres Wyvern après toi. Ils sont tous de mauvaise humeur ou quoi aujourd'hui? Si ça se trouve, t'es dans l'armée. J'étais à la portée max de l'utilisation de l'arme. Très bien. Ok. Suivant. Alors, si vous venez un par un, ça va être très rapide, hein. Dommage. You can do it, hein.
sais pas si je peux... Où sont les émotes? Attendez, je m'en rappelle plus. Y'a pas un truc que je voulais voir aussi? Quoi? Les niveaux d'énergie des démiurges battent des records. Y'a une relique dangereusement instable dans le coin. Je pense l'avoir utilisée. 1,2 points, etc. D'accord. Y'avait pas un truc que je voulais voir ici? Je m'appelle plus. Si, le son, c'est ça. Volume, volume de la musique. Je sais pas si je peux te baisser comme ça. Non. 75. Volume du doublage. 100. Volume des effets sonores. Tu vas devoir aller sous l'eau. 90. Volume des impacts de balles. Mettre plus 1. Je sais pas pourquoi. Ok. Ouais, si tu veux, en stéréo, même si j'ai juste le point 1 dans les oreilles, mais c'est pas grave. On reviendra là-dessus plus tard. C'est parti. Wouhou, on va dans l'eau, c'est vrai? Cool. Non? On monte? Si on va dans l'eau, autant plonger, hein. Les joints d'étanchéité tiennent le coup. Tu veux que j'appelle ton freelancer? Pas le temps. Si on attend, ça risque d'empirer. J'ai pas accès aux... aux commandes d'esquive sous l'eau, donc bon. On n'aura aucun ennemi sous l'eau, semble-t-il. Ah, ça j'en ai déjà fait dans la démo. On est sur la bonne piste. On dirait une serrure à écho qu'on va devoir ouvrir. J'ai déjà eu affaire à ça. Ah, ah, ouais, ouais, ouais. Qui flotte tout autour. C'est ça les échos. Prends-les et amène-les à la porte. Ton javelin peut en porter trois à la fois. Oui, monsieur. Bien. Un fragment d'énergie de l'hymne à la dérive. Ça fonctionne. Je me demande pas comment, je suis pas pianiste. Il te faut d'autres échos. Je les ai. Ça pourrait suffire. Voyons si la porte s'ouvre. Sésame, écarte-toi. Ah, c'est de la boue, c'est dégueulasse. T'as réussi. On peut entrer. Oh, j'ai un plein, il est tout propre. Tu me diras, en règle générale, c'est dégueulasse dans le coin. Ça sert à quoi? À créer une montagne, un océan, une nouvelle monstruosité. Ah. Les démiurges faisaient du terraforming. Et celle-ci se réveille. Je détecte une intense énergie plus loin. En fait, les démiurges, c'est les développeurs. Quelqu'un est venu ici. Quelque chose me dit qu'il a pas dû ressortir. Blah. Ça m'a éclaté à la fesse. Oh, un jumping puzzle. Un instrument de torture. On peut savoir. Y'a pas de carte de Sirwin. D'accord, jusque là ça passe. Fils de pute! Fais gaffe, si tu continues comme ça, tu vas finir par surcharger. Tu crois? Je gère la surcharge, 2 secondes. C'est bon, j'ai atteint la cible. Oh. J'essaie de réinitialiser. Tiens bon. Les lumières sous l'eau. Bon bah au moins je suis refroidi. Ça aurait été de la lave, ça aurait été rigolo. Très bien. La relique est là-haut, et elle n'est pas petite. Ah. Tu vas devoir la neutraliser. L'eau remonte, c'est... Les échos se sont dispersés. Trouve-les et remets-les. C'est con ça. Ah, y a des échos à chercher. Ok. J'en ai trouvé un. Tu sais quoi faire? Il t'en faut d'autres. Dans les autres. Ah bien là-bas. Y'a pas d'autres sous l'eau? Oh, il doit y en avoir un paquet sous l'eau, arrête de te foutre de moi. T'es en train de m'apprendre que le jeu me fait aller sous l'eau, donc il doit y en avoir. Tiens. La okay. Relique, qu'est-ce qu'elle fait là? Va savoir. La poche d'énergie grossit de plus en plus. Quelque chose est en train de se former là-dedans. C'est quoi? Tout est possible. Regardez juste l'eau, elle coule à l'envers. Ah oui, ça grossit, je confirme. Ça fonctionne. Continue à replacer les échos et la poche d'énergie se dissipera. Encore 3. Alors qu'est-ce qui se... Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je passe dans la flotte? Eh ben, je refroidis intégralement. Imagine un peu. L'hymne des
catalysé là-dedans. C'est de la création à l'état pur. Alors je compte quelque un, il m'en reste encore un. Ah non, deux là-bas, c'est parfait. C'est la faute des démiurges. Ça n'en reste pas moins fascinant. C'est pas faux. Des entités qui peuvent tout créer comme ça, d'un claquement de doigts ou presque, en déposant un objet, c'est intéressant. Hop là, on est bon. T'as réussi, ça devrait la neutraliser. D'accord. On est de vrais héros, on empêche la survenue du cataclysme. Ça a pas tenu. Je vois ça. C'est pas vrai. Ça commence. T'as de la compagnie. Ah. Le jeu qui me dit, essaye le corps à corps. Oui, j'essaie de réfléchir. L'énergie des démiurges toujours en augmentation. C'est qu'un échauffement avant l'arrivée du cataclysme. Plutôt intense pour un échauffement. Je t'avais dit que tout était possible. Tu vas devoir te farcir ça sans quoi. J'ai terminé. C'est bon, c'est fini. Je pense qu'on peut encore arrêter ce truc. Ces fragments d'un relique qui ont éclaté. Récupère-les et rassemble-les. Ah oui, j'oublie la partie sympa. T'as de la compagnie. Comment ça, j'ai de la compagnie? Rapporte-le et remets-le en place. Le fragment est en place. Mm-hmm. Il y en a un autre. Tu vas t'en tirer? Je suis presque sûr. Des munitions! Oh, salut le chien! Ah d'accord, être dans la zone, ça m'a fait des dégâts. Très bien. C'est épique musicalement, hein. Quelque chose de biologique. C'est tout ce que je peux dire avec certitude. Je peux pas voler. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc quelque chose a des dents. Beaucoup de dents. Fais vite. Oh. Ça fait combien au cours? Je m'inquiéterais plus de leur taille à ta place. C'est-à-dire, elles font quelle taille? Entre grande et énorme. Allez, d'accord, c'est très précis, merci de ton aide. T'es pas là, mais tu flippes plus que moi. Attends, je peux continuer à désinguer du lican? Lunaire, reste en mouvement. Ok, c'est parti. Attention, tout est possible. Je sais. Il paraît qu'une fois un type a été désintégré par une relique. Pouf, disparu. Ah bah cool. Et lui, il a eu moins de chance que le freelancer qui s'est retrouvé les tripes à l'air. En quoi c'est de la chance? Au moins, lui, il est mort et c'est tout. Non mais quelle galère. Bah oui, comme toujours. Des énigmes que seuls les démiurges peuvent comprendre. Non, je veux dire, il y a de la glace qui bloque. Qu'est-ce qui se passe? Ah, grosse dent et nombreuse. D'accord, ok. C'est un Ursix. Ça marche pas. Active-toi un peu. Ah, d'où l'intérêt d'avoir ce javelin pour cette première mission. Par contre, j'espère que quand j'aurai mis en ultra, les textures seront beaucoup plus rapides. Je suis sur les SSD, donc normalement ça devrait être instantané. Hein. Si je puis me permettre. Ah oui, grosse dent. Pas si nombreuse, mais grosse dent. La fois où une relique a créé un Ursix géant qui a failli t'avaler. Oui. Cette histoire deviendra un classique. Avec ça, notre contrat est rempli. Oui. Alors, retour à Fort Arcis, j'ai bien travaillé. Comme toujours, je suis en chemin. C'est joli, hein, quand même. Hein. C'est joli. Moi, je suis content d'y jouer, ça fait très longtemps que j'attends. Je suis très content d'y jouer. À vous, on a un temps de chargement. Les gens qui prennent des heures. Des jeux Xbox débarquent sur Switch. D'accord. Ah, Cuphead, nice. Style de jeu. C'est officiel. Bon bah d'accord, très bien, on verra bien ce que ça vaut. Niveau 2. Attends, normalement niveau 2 on débloque un javelin déjà. Tellement de choses qui apparaissent. Échelon 0. Ouais. Déverrouillé. Nouveau javelin débrouillé. J'avais raison. À Fort Arcis, vous pouvez débrouiller l'un des javelins suivants. Commando, Colosse, Tempête ou Intercepteur. D'accord. Ok. Ok. Wouh. Et là, c'est toutes les armes qu'on a pu choper
Averse de balles. Lacérateur. Ouh. Vengeance, éclaireur, défenseur, dispersion, souffleur, implacable. On n'a pas un seul... comment dire doublon, j'ai l'impression. Défenseur. Il semble qu'on n'a pas un seul doublon, ce qui est assez cool. Très bien. Très bien, très bien. Donc on va rien pour l'instant démanteler, on va se laisser un maximum d'opportunités. Même si pour l'instant le torrent me plaît bien. Vu que vous le savez, je vais jouer Colosse. Par contre, c'est vrai que c'est moche d'avoir un deuxième chargement juste après. Maintenant, il a pas l'air excessivement long. Je pense qu'en fait, avant le patch Day One, il y avait beaucoup de chargements qui étaient longs. Maintenant, il y a juste beaucoup de chargements. Vous voyez, ça a été assez rapide finalement. En plus, il nous passe une cinématique derrière, donc... faut pas qu'il m'en sorte une cinématique après pour sortir de Fort Tarsis. Enfin, pour rentrer dans Fort Tarsis. Ah, c'est vrai que si la gendarmerie ressemblait à ça en France, c'est-à-dire des mecs en armure d'Iron Man, on aurait beaucoup plus de problèmes. Vous rouliez à 100, maintenant vous rouliez à 80,3 km/h. Vous êtes en infraction. Ah oh ouh t'es beau gosse. Définissez votre pseudo. Vous avez pas plus de coiffure un peu plus. Oh, un blondinet. Un rouquin, malin. On va peut-être partir sur ça. Y'a pas un comme ça avec de la barbe, je peux pas? Ah si, y'a lui, apparemment. Tu peux me regarder, s'il te plaît, quand je te cause? Merci, ouais, non. C'est un gamin, quoi. Ah, on va partir sur lui, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de customisation. Après, peut-être que ça va venir au niveau d'un coiffeur, vous savez, d'un ravalement de façade. Prendre le gamin aux yeux bleus. Monsieur Marcus Banus. Je peux pas enlever Marcus Banus. Mettre juste Marcus Banus. Commencer à jouer. Voilà. On est bon. Monsieur Marcus Banus, c'est ce qu'il y a sur Origin. Vous aurez eu en début d'épisode et en début de chaque épisode, vous aurez un petit truc, un petit message à droite qui apparaîtra. Vous impliquant, vous demandant de partager, de liker, etc. Enfin non, je crois que vous abonnez surtout. Nous y voilà. Non, likez et abonnez-vous. Fort Tarsis, le dernier poste frontière de Bastion. Mais c'est mon freelancer préféré. Et surtout avec mon nom sur Origin pour m'ajouter. Tu connais la routine, Zoé. La catastrophe du jour a été évitée. Nice. Qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Mais rien. Mon armure va très bien. Enfin, j'espère. Bienvenue à la maison. Merci. Va me voir dans l'enclave, je serai à mon amplificateur. Y a un problème? Non, 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 pas de problème. Plutôt l'inverse, je dirais. Passe quand tu peux. Ok. Attends, je vais voir Zoé d'abord. Regardez qui voilà. Oh, le syndrome de Mass Effect Andromeda. Zoé, tu t'attendais à quoi? À me revoir en pièces détachées? Toi? Jamais. Tu m'apportes du travail, j'imagine. Bon, Javelin mérite une petite inspection après chaque sortie. Qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, moi je ne fais que mon travail, c'est toi l'experte. Rien que tu ne puisses réparer. On me flatte, hein? Ça veut dire que t'as joué le grand jeu dehors? Pas trop de folie, non. Sur ton échelle de folie ou sur la mienne? Scar, monstre, délire à base de reliques. Il y a ceux qui restent de ce côté du mur et il y a les autres. Ouais, mais j'ai sauvé les galapins. Te jeter là-dedans tête baissée, fais gaffe quand même. Ah, mon javelin me fait tenir, donc c'est pas qui me fait vivre finalement. C'est pour ça que ça sert un javelin. Et c'est pour ça qu'il faut une expertise pour le taper. Économise la pommade, je vais le faire l'entretien de routine. Je le traiterai avec un supplément d'amour pour compenser ton manque d'attention. C'est toi la meilleure. Je sais. Ah, oh, c'est adorable. Dommage qu'on peut pas de Ken dans ce jeu. Très bien, ça c'est la banque. C'est le marché de poterie. Oh! Oh! Courir. Ah, on peut courir. Ah oui, c'est vrai qu'on passe de 1 de vitesse à 1,1, quoi. Changez ça, les devs. Augmentez un petit peu. Oh, un cortex. Un cortex cérébral. Les instruments laissés par les démiurges lorsqu'ils ont abandonné le monde qu'ils avaient créé. De formes, tailles et fonctions variées, les reliques sont alimentées par l'hymne de la création.
Il est dit que ce seraient les outils qui ont permis de construire le monde, la construction du monde, j'aurais mis moi personnellement. Si une relique activée est submergée par l'hymne de la création, elle crée un cataclysme qui aboutit souvent à sa fragmentation. Les lanciers ont découvert petit à petit qu'ils pouvaient neutraliser une relique en remettant ses fragments en place. Les lanciers. Les reliques frémissaient devant eux. Pour les freelancers, il n'y avait pas une seconde à perdre. Périmode partit à gauche, fourra l'écho le plus proche dans son sac, puis se précipita sur la relique pour la neutraliser au plus vite. Gilmer partit à droite pour protéger des citoyens du marché et les mettre à l'abri. Enfin, Uri, soudain guéri de son ébriété, leva sa masse et ricana en regardant la chimère que la relique venait de cracher. Extrait des trois freelanceurs. D'accord, c'est les trois mousquetaires, quoi. Fallon Dalati. Très bien. On va pas tous les lire, hein, clairement. Là, les trucs journaliers, quotidiens et mensuels, c'est ça? Mensuel, d'accord, très bien. Est-ce que je voulais vérifier si c'était du mensuel, le troisième? Pas trop eu l'occasion de... Il y a une note là, on est d'accord. Hein. Nouveau contrat à notre actif, ça devrait le faire. Réputation des freelancers. La confiance se perd de nos jours. Même les nôtres. Ah d'accord, on a récompensé par des plans universels. D'accord, ok, très bien. Oh, ça s'accepte. Pardon. Je compte sur toi pour revenir avec une victoire. Ok. T'en fais pas pour ça. Ah. Salut. Comment tu te regardes du coin de l'œil, ça fait bizarre. Salut. Owen. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as bien senti, hein? Le grésillement. Ça grésille, là. Non? Non, tous les relevés restent dans les limites acceptables. Ah, elle est pas sur la chaise électrique. J'ai oublié un peu les chiffres pour une fois dans ta vie. Il y a un truc qui cloche. La connexion, elle est un peu floue. Et comment tu mesures le flou? Mais ça se mesure pas, le flou. Tu peux pas le quantifier. Je veux dire, ça marche pas comme ça. C'est un ressenti, tu vois? Tout va bien, Owen? Eh ben, disons qu'à ta dernière mission, j'ai remarqué que le fauteuil de cryptage commençait sérieusement à faire des siennes. Tous les relevés restent dans les limites acceptables. Ah, c'est toi qui vois, mais si tu laisses comme ça et que quelque chose tourne mal, alors je trouverai un arcaniste pour effectuer une inspection protocolaire de ce matériel. Ah d'accord, t'es pas censé y toucher. Très bien. Ah, il est rigolo, lui. C'est un bricoleur du dimanche. C'est ça? Non. Mais pourquoi tu cherches toujours les ennuis? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de lui faire une sacrée fleur, là. T'as pas idée comme c'est lassant d'être crypteur au fort? Elle peut pas bosser avec un freelancer. Elle peut pas voir le monde à travers les yeux d'un pilote de javelin. Non, 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 tu sais ce qu'elle peut faire? Elle a le droit de relayer les messages officiels dans un sens et dans l'autre au crypteur de la capitale jour après jour après jour. La routine peut avoir du bon. Tout le monde ne peut pas être freelancer. C'est ce que tu dis? Mais tu dois bien le reconnaître, la dernière mission se serait mieux passée avec un partenaire. J'ai un partenaire. C'est pour ça qu'ils ont inventé le matchmaking. Le pilote de javelin a besoin d'un crypteur. C'est pas ce que je voulais dire. Écoute. Ah non, il a le même si rôle qu'elle, d'accord. Si j'avais mon propre exo, je pourrais venir sur le terrain avec toi. On se calme, champion. Continue à t'entraîner et t'auras ta chance. C'est promis. D'accord. De toute façon, on peut pas se permettre un autre exo tant qu'on n'a pas de boulot. On trouvera une solution, comme toujours. Ouais. Ah, on est au chômage. D'accord, très bien. T'as jamais regretté d'avoir raté la grande époque? Ça dit freelancer, c'est, je crois que c'est le terme pour mercenaire aussi. Hein. Vu comme des héros. Un terme pour mercenaire. Les contrats pleuvaient sans lever le petit doigt partout où ils allaient. On leur donnait du respect. Et des contractuels. Et des sandwichs gratuits. Sandwichs gratuits? Ouais, moi j'ai pas mangé, j'ai faim. On manque de budget. On a assez pour des sandwichs. T'as sûrement raison. Tu sais quoi? Et si t'allais faire un tour par la forge? Histoire de régler ton javelin, qu'on soit prêt à partir au cas où il se mettra à pleuvoir des contrats. Oh! Ça c'est le genre de tempête que je voudrais bien avoir. Bon, à la recherche d'un CDD. Très bien. Retournez à votre javelin. Dame. Oh. Police. Quand même ultra stylé, bonhomme. Hein. T'es la version bleue et blanche avec les trucs sur les côtés du javelin de base qu'on avait dans la première, toute première mission. Celle qu'on a faite où on s'est planté. Ok. Coucou toi! Owen, tu veux quoi? Comment ça, je veux quoi? J'ai eu ton message, tu me donnais rendez-vous à la forge. J'ai rien envoyé. Pourquoi je voudrais te voir ici? Il y a quelque chose qui va pas. Je voulais vous parler en privé. Mon nom est Tassin. Et vous vous déplacez jamais sans vos gardes du corps? Si, ça. Il y a de l'écho d'un coup! Mais les sentinelles ont leur utilité. Eh ben, on peut dire que vous soignez vos entrées, vous. J'ai un contrat pour vous, freelancer. Je t'écoute.
J'aime J'en ça veux une comme ça. Je travaille avant d'accepter. Vraiment? Ou le colosse. De ce que j'ai entendu dire, vous prenez n'importe quelle mission qui tombe entre vos mains ces temps-ci. Et c'est quoi la mission? Un arcaniste a disparu. Disparu? Oh, oh. Il reste pas dans un labo à étudier les reliques des démiurges? Mathias Sumner était à la recherche de reliques dans des ruines. Je veux que vous le retrouviez et que vous le rameniez. S'il est encore en vie? Il connaît les dangers que représentent les artefacts. Entre ses connaissances et son ingéniosité, il a toutes les cartes en main pour survivre en vous attendant. D'accord, bah très bien, alors on peut attendre. Vous en dites quoi, Freelancer? Je saurais me montrer généreuse. Donne-moi un colosse et puis on verra. Je crois que les freelancers repartent en mission. Enfin, nous, quoi. Pardon, il faut que je... Excellente nouvelle, je vais faire mes diagnostics. Dis-moi quand tu veux partir. Madame? Madame? Il est énorme, j'adore. De la part de Mathias et moi-même, merci de vous en charger. T'en prie, je sais pas qui t'es toi-même, mais... Et si j'ai besoin... Trouvez Mathias. Et croyez-moi, il vaut mieux m'avoir dans ses relations. D'accord, donc soit je le trouve, soit vaut mieux que je meure. Ok, très bien. J'accepte. Forge déverrouillée. La forge permet d'équiper de nouveaux équipements et armes, de personnaliser l'apparence de votre javelin et de créer de nouvelles configurations. Très bien. Ah! Voilà. Gagner des niveaux vous permettront d'obtenir des... Ah! Tassine vous a demandé de donner les ressources nécessaires pour remplacer votre vieux javelin. Faites le bon choix, vous devrez utiliser cet exosquelette jusqu'à ce que de nouvelles classes de javelins soient disponibles au niveau 8, même si vous redémarrez le jeu. Très bien. Ah! Ah pardon. Crac. Le colosse. Cette combinaison lourdement blindée est le plus puissant et le plus grand des javelins. Vous pouvez compter sur le colosse pour tenir bon en toutes circonstances. Le tank, quoi, les mecs. Ok. Ce javelin lourdement blindé est un pilier de la société humaine utilisé dans les différents secteurs tels que l'industrie, la plongée en eau profonde et le transport de matériel lourd. Plus lent que les autres modèles, il peut cependant résister à une quantité impressionnante de dégâts au combat. Vous pouvez compter sur le colosse pour tenir bon ou disperser les menaces grâce à sa force phénoménale en combat rapproché. Très bien. Merci. Ah oui, ça je connais par contre, hein, j'ai déjà fait. J'ai rien d'autre ici, j'imagine. Forcément, ouais, d'accord, c'est trop tôt pour le jeu. Averse de balles, torrent, niveau 3 pour une nouvelle arme, d'accord, donc je ne peux pas lancer non plus ça. Et là, ici, non plus, je n'ai rien. E pour l'apparence. Aha! C'est là que ça devient rigolo. Ouais, non, je ne veux pas acheter pour le moment. Pour l'instant, on va laisser tel quel. Usure. Sale ou vieilli. Prendre le sale, nous. Non, on va prendre le vieilli, c'est pas plus mal. Hop. Peinture. Peinture vieillie. Quoi ça, peinture nette, peinture métallique nette. Métallique déjà, hein. Matériau rigide. C'est quoi, c'est quelle partie? D'accord, donc ça, ce sera un panneau. Ça sera du métal, hein, clairement. Métal nu, voilà. Hop. Ça. Comme c'est les... Endroit, hop, matériaux souples, ok. Si, du cuir fin, du cuir artificiel, du cuir fin. Stuff épaisse. Tissu tactique, hein, c'est sympa. Si, pour tout ce qui est matériaux souples, on va garder le principe du caoutchouc, caoutchouc usé, caoutchouc renforcé, c'est qu'on va prendre du renforcé, nous, parce qu'on est des fifous, en termes de couleurs. Ouais, là, ça fait un peu trop... Je vais personnaliser. Très bien. Allons-nous ici, c'est pas trop mal. Ici, pour ça, ça va être très simple. Je peux pas partir sur une base, d'accord, okay, très bien. Ok, ah non, fallait que je l'ajoute, c'est ça. Ok, très bien.
Alors là, j'ai pas changé de couleur. Là, les matériaux souples. J'ai mis quoi déjà ? J'ai mis du tissu, camo. D'ailleurs, il n'y a pas tant de verre que ça. Ouais. Pas beau les verres en plus. Hein. Pas fan en règle générale du verre. Ça va pas aller avec le. Si je passe sur du bleu par contre. Non. Restons sur une commande de gris alors. Hop là. Et ici, au niveau des. Par contre, là, on va passer sur du noir foncé. Hein. Voilà. Alors, de dos, c'est pas beau. Parce que c'est quoi ? C'est ça qui est trop présent. Très bien. Alors, peut-être que si on passait sur un. J'ai mis un tissu tactique. Si je mettais un cuir artificiel. Je mettais en marron. Ouais, marron, ça fait comme si j'avais du caca sur moi, quoi. T'as dit un pantalon marron, des fois. Pas une mauvaise idée. Je passe en rouge. Ah non, je vais le passer. Ah, c'est peut-être trop claquant comme jaune. Voyons voir si on peut tomber un petit orange. Voilà un orange. Hein. Voilà, pas mal ça. Très bien. Hop, on est bon, disons qu'on est bon. Bon, ça, c'est fait les amis. Cache. Ah d'accord, c'est mon inventaire. Très bien. Très bien, très bien. Pour l'instant, j'ai pas l'intérêt à le... à moins que, attendez. Peut-être que dans les armes... Là, j'ai une averse de balles, voilà. Je vais avoir l'averse de balles, la même. Voilà, mais en puissance 2. Donc on va prendre la puissance 2. Même si... J'ai pas vu de différence entre les deux. Très bien. Ok. Bon, eh ben écoutez les amis, on va se laisser là. Pour cet épisode, en tout cas, merci de l'avoir aidé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve demain pour la suite des aventures de Marcus Bonus, du coup, le freelancé dans Anthem. Salut les gens, et n'oubliez pas, soyez respectueux dans les commentaires. Si vous avez des critiques à faire, faites-les, mais de manière intelligente avec des arguments. C'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire, et c'est ce qui vous permettra de survivre dans les commentaires. Sinon, vous subirez, écoutez, mon courroux avec ce fameux javelin. Salut les gens, et yop!